dommage que je suis seule cet après-midi. J'aimerais bien jouer en équipe. Faire une équipe avec quelqu'un, faire une bonne équipe. Faire équipe. Mais peut-être il y a Nathan qui pourra venir. Nathan, ben voilà. Tu es mon vieux copain. Oui, bonjour, ça va? Ouais. Alors, Nathan, ouais. Écoute, j'aimerais bien faire une bonne équipe avec toi. Mais volontiers, Coco. Oui. C'est quoi une bonne équipe? Une bonne équipe, c'est une équipe qui travaille ensemble. Pour le même but. Comme le foot, faire des buts. Exactement comme le une foot. Une équipe, elle fait des buts. Oui. C'est une bonne équipe qui fera quelque chose ensemble. Oui, c'est ça. Ils avancent, ils se soutiennent l'un et l'autre. Voilà, et c'est une bonne équipe, quoi. Ouais, je vois bien. J'ai un vidéo pour toi. Ah ben volontiers, Coco. Parce que, tu sais, dimanche, ouais. J'ai vu 200 enfants de faire une bonne équipe. 200? Wow. 200 wow. enfants. Dans okay. une grande salle de sport. Et cette salle s'appelle la Marif. Ah, la Marif, d'accord. Ouais. Oui. Alors, 200 enfants à la Marif ouais. qui font bonne équipe. Regarde. On va se promener dans la salle et quand vous rencontrez quelqu'un, vous faites feuille, caillou, ciseaux avec lui. Alors, par exemple, je prends Aurélien et on fait feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. Ouh, il a cassé mes ciseaux, j'ai perdu. Alors, comme j'ai perdu, je me mets derrière son dos. Et puis, attends, après, la petite chenille, viens, Bastien, la petite chenille. Ben, on est ensemble et puis on rencontre quelqu'un d'autre, peut-être qu'on rencontre même une autre chenille et on refait. Feuille, caillou, ciseaux, 1, 2, 3. Oh, on a perdu. Alors la chenille, elle se met derrière le gagnant. Et on va faire comme ça des chenilles. Et à la fin, il restera deux chenilles qui vont s'affronter et il n'y aura qu'un seul gagnant. Est-ce que c'est compris ? Vous pouvez même commencer à crier celui qui est devant. Bastien, Bastien. Alors, est-ce que il faut que les moniteurs, les adultes, ils jouent aussi, d'accord? Comme ça, vous êtes avec nous. Et puis donc, vous vous baladez. Quand vous trouvez quelqu'un, vous jouez à feuille, caillou, ciseaux. Et celui qui gagne, il est devant la chenille. On est parti? Alors, allez, répartissez-vous dans la salle et on y va. Il faut bien vous accrocher, pas que vous perdiez votre chenille. Pas trop vite, pas trop vite. Il faut qu'on puisse vous soyez accrochés. Alors, il y a deux chenilles, il faut que les deux chenilles, elles se rencontrent. On va voir qui est le grand gagnant ou la grande gagnante. Ça, c'est une chenille. Attention, combat de chenilles. Et voilà, on a un gagnant, une chenille gagnante. Bravo. Et on a réussi à faire une seule chenille avec une tête. Ha! Tu vois, c'est une bonne équipe, hein? Oui, c'est une bonne équipe. Ils ont très bonne équipe. Ouais. Ils ont joué pierre, caillou, pierre, papier, ciseaux. Ouais, alors vas-y. Pierre? Non. Pierre? 3, 3, 2, 1. Papier! Papier! Et toi, tu es quoi? Ciseaux! Ciseaux! Ça veut dire
le ciseau, coupe le papier. Le papier, le ciseau, coupe le papier, oui. Tu as gagné, hein? Oui. Tu veux jouer encore? Non, parce que non. J'ai perdu. Quand je perds, j'arrête de jouer. Ah non, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Coco. Oh, moi, j'aime pas perdre. Mais si on joue ensemble, ouais. Il faut peut-être perdre des fois, hein? Non, moi, j'arrive pas à perdre. Moi, je dois gagner. Moi, Coco, gagner. Voilà. Est-ce que tu es mauvais perdant? Hein? Est-ce que tu es mauvais perdant? Oui, mais ça, il faut pas dire aux autres, hein? Est-ce que tu es mauvais gagnant? Oui. Oh! Mais Coco... Ouais. C'est pas fair play. Oh... Ça fait rien. Je te montre un autre jeu. Regarde. Volontiers. Alors, si je dis croupe de 8. Maintenant, je dis le groupe des chaussettes unies de ce côté-là, puis le groupe des chaussettes multicolores de ce côté-là. Donc, les chaussettes, si elles sont unies, elles sont là. Si elles sont multicolores, ça va de l'autre côté. Tous ceux qui ont les cheveux blonds, ils vont là. Puis tous ceux qui ont les cheveux d'une autre couleur, ils vont là. Blond. Est-ce que t'es blond? Est-ce que t'as les cheveux blonds? Non. Toi, oui, tu peux aller là-bas. Alors, c'est bien, hein, faire une équipe avec 200 enfants. Wow, beaucoup d'enfants. Hein. Et tu as vu, c'est des enfants qui chantent des grandes Alléluia. Oui, des grandes Alléluia. Des grandes Alléluia. Tu chantes aussi des grandes Alléluia. Alléluia. Oui. Alors, avec ma copine, tu sais comment s'appelle ma copine? Elle s'appelle Laetitia. Ah, Laetitia, oui. Laetitia, elle a chanté avec les 200 enfants, Laetitia. Waouh, une belle chorale. Oui, 200 enfants qui chantent avec Laetitia. Tu veux voir ça? Oui, je veux, tout de suite. Alors, tu peux lancer ma page Facebook, tu peux dire aux enfants que j'ai une page Facebook. Coco, il y a une page Facebook. Vous la voyez, elle est écrite là. Merci. Vous la recopiez. Merci. Et vous allez voir la page de Coco. Merci. Et vous lui dites bonjour, Coco. Merci, Nathan. Alors, vous avez entendu, j'ai une page Facebook. Il faut venir et me contacter et me tout dire. Surtout, il faut me dire que vous avez bien aimé et qu'il faut mettre d'autres vidéos. Oui, parce que Coco a besoin d'encouragement. Ouais. Alors, on va lancer la vidéo avec ma copine qui s'appelle Laetitia. Laetitia. Alors, à la prochaine. Bye bye. Est-ce que vous avez envie de bouger ce matin? Oui. Est-ce que vous avez envie de louer Dieu ce matin? Oui. Cool. Alors, est-ce que vous avez envie de louer Dieu à pleine voix? Oui. Alors, notre premier chant, il s'appelle... Je veux te louer à pleine voix. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais je vous dis comment ça va. C'est « Je veux te louer à pleine voix. » Vous les répétez avec moi? 1, 2, 3. « Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu as fait au fond de moi. » J'ai un blanc maintenant. Alors, ce que je propose, c'est que je vais passer le début de la chanson. Ici, les paroles, elles vont afficher pour ceux qui savent lire. Et... on va chanter avec, puis on recommencera une deuxième fois au début, d'accord? Voilà, la louange. Je veux te louer à pleine voix tout ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Louer avec moi. Alléluia. Alléluia.
te louer à pleine voix pour ce que tu crées au fond de moi. À ma tête, à mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix pour ce que tu crées. Mes pieds, de haut en bas, je veux te louer, mon Dieu.